Hier, à Jeddah s'est tenu le premier Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'histoire et le 21e de la saison 2021. Lewis Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Le débrief saison 2, épisode 21, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau débrief. On a énormément de choses à se dire, on vient de vivre 24 heures, 48 heures complètement dingues. Je vais essayer de tout résumer, de tout analyser, j'espère que je serai à la hauteur de l'événement. Mais c'est complètement fou, on a vécu quelque chose de totalement inédit. On a assisté à un Grand Prix qui, à coup sûr, va marquer l'histoire de la Formule 1 à plusieurs titres. Alors déjà un petit mot rapide sur Jeddah, le rendu est vraiment très très beau, il y a la corniche, la nuit, les lumières, ça claque, faut le dire, on a un tracé impressionnant visuellement qui offre des images magnifiques. Mais bon, après ça, quel circuit pourri, quoi. Pardonnez ma franchise, mais ça n'a absolument aucun sens. Il y a plein de portions qui sont complètement absurdes. On évoquera demain en vidéo si c'est dangereux ou pas, parce qu'il y a un vrai débat à faire là-dessus. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un circuit qui ne ressemble plus ou moins à rien. Et puis surtout, qui ne permet pas de bien faire la course dessus. Ça me paraît totalement inadapté. C'est une grosse absurdité. Bon allez, on attaque maintenant le gros du sujet et on va logiquement, longuement se focaliser sur Hamilton face à Verstappen. Et pour ce faire, je vais longuement narrer dans l'ordre les événements afin de mieux pouvoir les analyser. La première chose à dire, c'est qu'au début du week-end, Mercedes semblait totalement imbattable, que ça soit sur les longs relais ou sur un tour, ils étaient un ou deux tons au-dessus. Mais en qualif, Max et Red Bull ont trouvé un truc et Max était en train de sortir ce que beaucoup ont qualifié de tour du siècle. Je pense pas que ce soit LE tour du siècle, il y a plein d'autres tours magnifiques, mais il rejoint la liste des plus beaux tours de l'histoire, c'est clair. Voilà, il volait, il avait quasiment une demi-seconde d'avance sur la pole, c'était exceptionnel. Et puis bah, il a raté son dernier freinage, il a quand même tenté de sauver son tour et puis bah, il a touché le mur. Red Bull a évoqué l'idée qu'avec l'état de la piste et les flux d'air dans le dernier secteur, Max avait pu obtenir plus de vitesse de pointe, c'est peut-être ce qui a décalé et fait rater son freinage. On se dit alors qu'il a perdu une occasion en or et peut-être le championnat avec. La Mercedes semble la meilleure en course, il était parti pour faire P1, finalement il est P3, avec un mur de deux Mercedes devant, Bottas peut le bloquer, Hamilton peut reprendre la tête du championnat. Ouais, cette image apparaît comme le tournant de la saison 2021. Et ce sentiment est conforté au départ, il ne peut logiquement pas doubler le mur des Mercedes, et à partir de là, cela semble terminé, il ne devrait y avoir qu'un seul arrêt, Mercedes est à 2 contre 1, elle semble aller plus vite, doubler semble quasiment impossible, ouais, on semble bien se diriger dans une situation où Mercedes et Hamilton ont repris un avantage extrêmement conséquent au championnat pilote et au championnat constructeur. Sauf qu'on n'était clairement pas au bout de nos surprises. Tout commence à dérailler quand Mick Schumacher perd le contrôle de sa Haas au virage 22 au 10e tour, entraînant une safety car sous laquelle les deux Mercedes vont s'arrêter, mais pas Verstappen. Jusque-là, tout est normal, Max tente un coup et il a raison, il n'y a rien à perdre, ça bouleverse un petit peu la phase de la course, mais tout est encore long, les Mercedes peuvent sûrement repasser devant avec un arrêt de moins à faire. Et puis d'un coup, le drapeau jaune devient rouge, Max pourra donc changer ses pneus pendant l'arrêt de la course, il est donc passé premier à la régulière totale et n'a plus d'arrêt à effectuer. Pour moi, le délai entre le jaune et le rouge a créé une immense injustice, pas que pour Mercedes, pour plein d'autres mondes, on le verra par la suite. À cause d'un événement mal géré par la FIA, la course a tourné. Et au passage, je continue de le dire et je l'avais aussi dit à Monza en 2020, ok pour les pilotes qui changent de pneus sous drapeau rouge, mais cela ne devrait en aucun cas remplacer l'arrêt au stand obligatoire, ça c'est trop injuste. Mais en tout cas, les choses sont ainsi, on passe d'une situation où Hamilton avait potentiellement un plus 2 au championnat, à désormais un plus 15 pour Verstappen, la différence est énorme. Nouveau rebondissement au deuxième départ où Max reste complètement scotché et perd donc la première place avant de contre-attaquer et de finalement la reprendre hors de la piste. Lewis l'y a poussé, clairement, mais je trouve que la manœuvre est plutôt propre, il était largement devant, c'est assez progressif, ça se termine loin, quasiment au point de corde du deuxième virage, et puis ça ressemble pas mal au départ d'Imola et de Barcelone où Max l'avait clairement poussé de manière plus agressive. La FIA dit ça joue. Ça joue.
En revanche, prendre une position en étant en dehors de la piste, ça c'est sanctionnable, et c'est là qu'on en arrive à la fameuse scène de la proposition, où la FIA dit à Red Bull, soit vous repassez 3ème derrière Hamilton, soit vous prenez 5 secondes, ce que tout le monde a pris pour un marchandage, un deal. Sauf que ce n'est absolument pas ça, il y a eu une mauvaise compréhension de la chose et personnellement je suis totalement d'accord avec la manière dont la FIA a géré ce cas, c'est juste purement logique et il n'y a absolument aucun scandale. En gros, si la course avait continué, on aurait dit à Verstappen, soit tu rends la position, soit tu prends 5 secondes. Et là on lui a dit, soit tu redémarres derrière lui, donc tu lui rends la position, soit tu prends 5 secondes. C'est exactement la même chose. La FIA n'a rien proposé à Red Bull, comme quand en course elle dit de relaisser passer, elle ne propose pas. C'est juste que si Red Bull n'acceptait pas ça, eh bien il y avait pénalité. C'est juste normal, logique, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi tout le monde s'est emballé. Parce que si Red Bull disait non, bah il y avait pénalité, comme sur la piste. Enfin bref, pour moi, il n'y a vraiment pas de drama là-dessus, et nous revoilà à un 3ème départ, et cette fois donc, Hamilton est repassé devant, il n'y a plus plus 15 pour Verstappen, mais plus ou moins égalité, et Bottas n'est plus dans l'équation. Et à ce 3ème départ, Verstappen va faire une action qui aurait pu, qui aurait dû être le mouvement décisif de l'année, le mouvement qui lui aurait donné sûrement son premier titre de champion du monde. Il a été plongé faire un dive bomb de l'espace au premier virage sur Hamilton et Ocon, sauf que c'était super propre, aucune erreur. Ça oblige certes les deux autres à se toucher, mais quelque part c'est pas sa faute. Manœuvre exceptionnelle. Sûrement le dépassement de l'année et sûrement celui qui va lui offrir le titre, car après ça, Lewis ne peut pas repasser, il perd trop de temps dans le premier secteur à cause de l'aéro et des perturbations, et du coup il ne chope le DRS que dans la troisième zone, ce qui est un petit peu trop court. Max s'est remis dans la position où il arriverait à Abu Dhabi avec 14 ou 15 points d'avance et pourrait donc être titré même avec une P4. Clairement, il vole vers le titre, s'il ne se passe rien, il est déjà quasiment à moitié champion. Et puis, il va y avoir un dernier rebondissement qui va faire passer la course dans la confusion la plus totale. Après une énième virtual safety car, ça aussi on pourrait en parler pendant des heures, le timing de la fin de la VSC va être ultra favorable à Hamilton qui peut choper le DRS dans la deuxième zone DRS et donc arriver beaucoup plus proche dans la troisième. La surpuissante vitesse de pointe lui permet de se dédoubler, de passer devant Max, mais évidemment, évidemment, Max replonge, bloque et reste devant. Il a totalement raison de tenter, s'il ne fait rien, il a d'office perdu le Grand Prix, il passe de plus 15 à plus 0, et puis il passe d'une situation où il était quasiment déjà titré, à une situation où le titre commence un petit peu à s'envoler. Tout se joue là. Oui, mais la manœuvre n'est pas propre dans sa réalisation. Il pousse clairement, de manière en plus un petit peu agressive, Hamilton dehors, encore une fois cette année. Oui, pour moi, ça mérite pénalité, mais en même temps, on l'a laissé faire toute l'année. À Imola, à Barcelone, à Interlagos, en même temps, Hamilton a plus ou moins fait la même au deuxième départ aussi, il faut le dire. Voilà, pour moi, ouais, ça mérite pénalité, mais honnêtement, je ne sais plus où on en est dans cette saison avec ce qui se passe dans ce genre de manœuvre. Je ne sais plus. Pour moi, c'est au-delà de la limite, mais bon. La FIA, en tout cas, a le même jugement et demande à Max de rendre la position à Lewis, ce qu'il fait, sauf que Lewis refuse de passer. Il reste derrière, il attend, il veut sûrement passer deuxième sur la ligne de détection du DRS pour ne pas se faire avoir ensuite, et il finit par se décaler au dernier instant et par taper la Red Bull. On est dans une action qui est complètement lunaire, incompréhensible et une des actions qui marquera l'histoire de la Formule 1. Avec tout ça, Verstappen n'a pas rendu la position à Hamilton et la FIA lui redemande de le faire pendant plusieurs tours, ce qu'il ne fait pas. Il prend donc 5 secondes de pénalité, logique, sauf qu'à l'instant où il prend les 5 secondes, il était pile en train de laisser repasser Hamilton, sauf que non, en fait, c'était un piège, il est repassé juste derrière. Max est donc toujours premier, mais avec 5 secondes de pénalité, et finalement, il va laisser repasser Hamilton une dernière fois pour de bon. Alors, si on a mis 5 secondes à Max, c'est car il a refusé de laisser repasser Hamilton. On pourrait dire tant pis pour Lewis, hein, il avait accepté de le faire la première fois. Mais bon, la FIA voulait qu'il rende la position, il ne le faisait pas, il prend 5 secondes. Et tant pis pour lui si ça arrive pile au moment où il allait le faire, c'est trop tard.
Concernant le fait qu'il le relaisse passer une toute dernière fois à la fin pour de bon, c'est parce qu'en fait, il était sous le coup d'une nouvelle enquête pour l'avoir laissé repasser puis doublé. On n'a pas le droit de faire ça. Hamilton avait pris 30 secondes de pénalité sur Raikkonen à Spa en 2018 pour ça. Donc pour éviter une nouvelle enquête et 5 secondes, Max a laissé repasser Lewis. Donc ça fait un grand cirque, c'était la grande confusion, ça partait dans tous les sens à ce moment. Mais au final, c'est assez logique. Il n'a pas laissé passer, il prend 5 secondes. Il a fait un truc pas bien, il doit rendre la position, il rend la position. Bon, et au final, après la course, les commissaires ont donné 10 secondes de pénalité à Max Verstappen pour avoir freiné tardivement face à Hamilton dans leur accrochage, responsable de la collision. Voilà qui répond à quelques-uns de nos doutes. Il y avait bien eu un coup de frein, c'est pour ça qu'il y a eu collision. Ça n'empêche pas qu'Hamilton a, selon moi, roulé trop lentement, mais en même temps, c'est le jeu. Peut-être qu'il en a le droit, je sais pas. Voilà, maintenant, il reste P1, P2. Je crois que le bon pilote a gagné. Hamilton méritait de gagner au vu des pénalités et des événements. Voilà, on peut prendre du recul, on peut dépassionner le débat, on peut passer à autre chose. P1, P2 dans cet ordre, ça ne bouge plus. Et quand on regarde la photo d'ensemble, waouh, quel moment! Quel bazar! On a eu 3 départs, on a eu 4 dépassements entre eux, je crois, un accrochage, un moment tendu au premier virage, une course finie sans aileron pour Hamilton, des images complètement insensées qui feront le tour du monde et qui resteront à jamais. Voilà, faut vraiment se rendre compte de ce qu'on a vu hier, c'est un truc dont on se souviendra toute notre vie. Et puis surtout, ce sur quoi il faut conclure, c'est que, ça y est, ils sont à égalité avant d'arriver à Abu Dhabi, 369,5 points chacun. Ils sont à égalité pour la dernière course. Il n'y a qu'en 74 entre Regazzoni et Fittipaldi que c'était arrivé. Celui qui termine devant à la dernière course est champion du monde. La chance qu'on a, les amis. Max pourra être frustré car jusqu'à 15 tours de la fin, il avait une main et demie sur le titre de champion et car il était à deux doigts de faire le coup parfait. Mais en même temps, faire deuxième est presque un miracle pour lui au vu de la performance de la Mercedes et au vu de son erreur en qualif. De l'autre côté, Hamilton est passé par toutes les émotions samedi comme dimanche. Hier, il a dû croire à 2-3 moments que le titre allait lui passer entre les doigts, mais finalement, il a réussi à faire la différence. C'est énorme, il a été chercher la victoire et une situation comptable bien plus favorable, où il est peut-être le favori à Abu Dhabi. Maintenant, tout va se jouer là-bas, Max a l'avantage d'être devant en cas d'égalité, car il a une victoire de plus, et Lewis a peut-être l'avantage d'avoir une Mercedes qui semble très 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 dure à battre, mais en même temps, ça peut bouger de week-end en week-end, le tracé a été modifié, dur de savoir à qui ça va convenir. On y est, voilà, on va vivre une semaine de fou jusqu'à dimanche 14h. Allez, abordons quand même les autres derrière, car il s'est aussi passé pas mal d'événements et il y a pas mal de petites choses à dire. Et pour tous ceux derrière aussi, le drapeau rouge a énormément impacté les courses des uns et des autres. Les résultats sont beaucoup dus à cet événement. Ce que je regrette une nouvelle fois, car c'est pas juste un simple fait de course qui donne de la chance ou de la malchance aux uns et aux autres. Non, c'est une mauvaise gestion de la situation par la FIA qui crée un déséquilibre. Alors Esteban Ocon a fait partie des vainqueurs, il avait choisi de ne pas rentrer au stand sous la safety car, ça l'a aidé, mais ça n'enlève rien au reste de son week-end qui est complètement parfait. Il passe en Q3, il bat Alonso, il fait un super premier départ où pourtant tout aurait déjà pu s'arrêter face à Tsunoda et où plus loin il fait un splendide extérieur sur Gasly. Son deuxième départ est exceptionnel, il passe deuxième, son troisième départ il le fait depuis la pole et ensuite il tient un rythme fabuleux. Grand bravo Esteban, malheureusement il lui manque un dixième à la fin pour prendre le podium face à Bottas, c'est un gros crève-cœur, c'est une situation très très dure à vivre. Podium et P4 c'est pas du tout pareil pour une Alpine, mais voilà, on n'enlève rien à son week-end, c'est exceptionnel, c'est peut-être son meilleur de la saison, clairement. Bottas justement lui propose un bilan beaucoup plus contrasté, d'un côté il avait le rythme d'Hamilton samedi comme dimanche et la P3 reste un très bon résultat, mais d'un autre son freinage raté au deuxième départ gâche tout, il l'empêche de se battre face à Verstappen et c'est une très grosse tâche sur son week-end. Et en vrai, je lui en veux un petit peu parce que sans ça, il aurait été dans la bataille avec Verstappen et Hamilton, il aurait été là quand les deux ont freiné comme des idiots sur la ligne droite, il aurait sûrement été deuxième du Grand Prix avec la pénalité de Max, ouais, on peut dire qu'il a raté un gros coup alors que jusque-là, son week-end était quasi parfait. Derrière lui, on retrouve également deux autres pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés sous safety car et qui donc ont bénéficié du drapeau rouge, Pierre Gasly et Daniel Ricciardo.
Daniel fait donc une énorme remontée, parti 11e, il était 9e au moment du crash de Mick, mais quelque part c'est mérité car je trouve son week-end bon. S'il est resté bloqué en Q2 samedi, c'est en grande partie car son fond plat était abîmé, et puis en termes de rythme, dimanche c'était très bon. Il a fait un week-end au niveau de Norris en termes de performance, j'ai trouvé en tout cas. Et bon voilà, ça aurait dû mal se terminer parce qu'il a raté la Q3, mais finalement les événements le placent P5, l'un dans l'autre, tout rentre dans l'ordre. Voilà, bon week-end de Daniel. Pierre lui a fait deux fois P6 et il n'y a pas à douter sur la qualité de sa performance, une nouvelle fois, mais je pense que le drapeau rouge l'a aussi bien aidé, car avant ça, son AlphaTauri commençait doucement à perdre en rythme et il glissait dangereusement, il aurait pu avoir la même qu'au Qatar. Mais bon, après le drapeau rouge, il fait deux bons départs, il est dans le bon wagon, il tient le bon rythme, il ramène 8 points, bravo. Ocon, Ricciardo, Gasly, on a là les trois grands gagnants du drapeau rouge. Parlons maintenant des deux plus grands perdants, Leclerc et Norris. Charles était quatrième avant tout ça. Il avait sorti un dernier tour de Q3 magistral et devançait une Red Bull à la régulière. Mais bon, le drapeau rouge le fait retomber à une injuste 7ème position. Au deuxième départ, il est tassé par Perez. Il est un petit peu chanceux de ne pas abandonner, mais il perd encore du terrain sur ses concurrents. Résultat, il est dans le mauvais wagon. Et au final, il ne termine que 7ème alors que sa vraie place du Grand Prix, c'était sûrement la 4ème à la régulière. Il a fait un énorme week-end. Norris, lui, était 6ème avant les différents événements et est tombé 13ème après. C'est une vraie catastrophe. Alors lui, ça l'a totalement plombé, sa course était juste foutue après, il a fait de son mieux, il s'est accroché, il sauve encore un petit point au bout. Voilà, le résultat sur le papier est extrêmement décevant, mais complètement indépendant de sa volonté. On partait pour un autre très bon week-end de la part de Lando. Évoquons aussi la deuxième Ferrari, Sainz avait potentiellement tout gâché en Q2, où il est resté bloqué après avoir mis sa voiture à moitié dans le mur et pété un bout de son aileron. Mais il remontait bien en course, il a profité du drapeau rouge pour faire son arrêt gratuitement, il a bénéficié des déboires des uns et des autres dans les différents départs, il est revenu juste derrière Leclerc avec une gamme de pneus plus tendre, il est donc passé devant, il a tenu un bon rythme, mais il a logiquement été contre-swappé à la fin car il n'avait pas fait de grosses différences. Cela reste donc un excellent dimanche pour Carlos qui rattrape son samedi et poursuit sa série d'arrivées consécutives dans les points, mais la performance était moins là que pour Leclerc, et mine de rien, son erreur en qualif coûte sûrement un podium à Ferrari, car l'un dans l'autre, s'ils avaient eu deux voitures devant au moment du drapeau jaune et de la victoire safety car de Schumacher, il n'y aurait peut-être qu'un des deux qui se serait arrêté, et l'autre aurait donc été un grand gagnant. Il ne faut pas non plus oublier un homme, c'est Sergio Perez qui a été victime de ce sandwich du deuxième départ où personne n'est réellement responsable, personne sauf le circuit, mais ça on en reparle demain. Le week-end de Checo était jusque-là largement insuffisant, à 6 dixièmes de max en qualif, et heureusement pour lui qu'il a raté sa dernière tentative, bloqué derrière Leclerc au départ, tombé 8ème après le drapeau rouge. Ouais, après plusieurs très très bons week-ends, Checo n'était clairement pas là à Jeddah, peut-être à cause d'un circuit qui demande plus de confiance en la voiture. J'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait fait s'il avait pu rester en course. On partait quand même pour une 6ème, 7ème place au mieux, pas très glorieux donc. Faudra proposer beaucoup mieux à Abu Dhabi, si ce n'est pas déjà trop tard pour le titre constructeur et pour Edemax. Enfin, le dernier pilote dans les points, c'est Antonio Giovinazzi. Et oui, l'Italien a sûrement fait son meilleur week-end de la saison. Avec une Alpha qui marchait vraiment plutôt pas mal, il a dominé Kimi devant en qualif, il arrive à rentrer en Q3 et ensuite va enchaîner les super départs et lui aussi changer de pneu sous drapeau rouge. Longtemps 7ème, il finira par s'incliner face aux deux Ferrari, mais ramène deux très beaux points. Voilà, je l'ai dit, sûrement sa meilleure perf de la saison. On aurait aimé voir ça en fait quasiment à chaque Grand Prix. Voilà, ça change rien à son destin et au fait qu'il devrait peut-être rester ou pas, s'il mérite ou non. Voilà, c'est juste cool qu'il fasse ça une dernière fois. Derrière, on va aller assez vite pour d'abord dire qu'Aston Martin était complètement à la rue ce week-end. 9ème force en qualif, 8ème en course. A la faveur des événements, ils ont failli marquer quelques points, d'abord par Vettel qui était plutôt bien remonté et qui a profité de tout ce bazar pour être un moment 8ème avant qu'il ne se fasse sortir par Tsunoda, et ensuite on a longtemps eu Stroll 10ème mais Norris l'a repassé, et j'ai envie de dire tant mieux puisque ce week-end Aston ne méritait pas de points vu sa piètre performance. Un peu dommage pour Vettel qui avait dominé Stroll en qualif et qui me semblait faire une plutôt bonne course. Voilà, les événements auraient pu lui sourire, malheureusement, il y a un petit accrochage.
Tsunoda lui aussi termine avec 0 points et c'est encore une fois extrêmement frustrant car une nouvelle fois il avait une vraie performance, il est encore passé en Q3, il y avait quelque chose, il pouvait jouer les points, malheureusement il a foiré son départ, j'ai le souvenir qu'il était déjà je crois 13e au bout du 4e tour, et puis les événements lui ont donné la 9e place et puis il a fait une erreur où il est majoritairement responsable face à Vettel. Voilà. Au final, 0 points. C'est dommage, ça commence à devenir un petit peu long, la période sans points. Faut vraiment prier pour qu'il y en ait à Abu Dhabi, parce que sinon, le championnat finira sur une ambiance assez morose du côté de Yuki, qui, je le répète, progresse, a de la performance, mais à qui il manque toujours 2-3 petits trucs et qui fait toujours 2-3 petites erreurs. Pour Williams, peu de choses à dire, 8e force en qualif avec un Russell qui arrive encore et encore à passer en Q2 et 9e force en course où ils ne peuvent tout simplement rien faire. En plus, le pauvre George a été une victime collatérale au 2e départ. Quant à Latifi, il a traversé le week-end une nouvelle fois comme un fantôme. Enfin chez Haas, Mick a sorti un tour de qualif encore une fois de très 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 haute volée, mais s'est sorti tout seul en course. Mazepin lui était à la ramasse en qualif et partait aussi pour un Grand Prix très compliqué, mais il conduit un vieux châssis, ne s'est pas crashé et a aussi été une victime collatérale du 2e départ. Voilà, un peu dur pour nos deux rookies. Allez, passons désormais au classement. On l'a dit, je n'y reviens pas. Égalité entre les deux leaders du championnat, c'est complètement fou. Derrière, Bottas est désormais assuré de terminer 3e. Perez, du coup, assuré de terminer 4e. Leclerc, lui, après plusieurs semaines de remontée, a repris la 5e place, celle de meilleur des autres à Norris pour 4 unités. Et Sainz n'est pas loin derrière. Ricciardo et Gasly ne devraient plus bouger et Ocon qui est 11e est revenu à 5 points de Fernando Alonso. Au constructeur, Mercedes fait un plus 23 sur Red Bull ce week-end, ça fait plus 28 au classement. Voilà. Sauf abandon d'un des pilotes à Abu Dhabi, c'est quasiment fait. Derrière Ferrari à 38,5 points sur McLaren, c'est fait. À moins que McLaren fasse un doublé et que Ferrari ne marque pas de points là-bas. Et enfin, plus 29 d'Alpine sur AlphaTauri, là aussi c'est fait. Aston Hill sera 7e, Williams sera sûrement 8e, même si Alpha n'est revenu qu'à 10 points. Et il y aura peut-être un sentiment de regret du côté des Italiens, parce qu'il me semble avoir une bien meilleure voiture en course. On clôture désormais avec les notes. Je rappelle une fois pour toutes, et encore une fois plus important que d'habitude, que ces notes sont indicatives et subjectives. Si je les mets, c'est pour avoir un autre classement que le classement par points. En fin d'année, ça donne une bonne moyenne générale qui permet d'avoir une vision globale sur la saison d'un pilote. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Évidemment, ce n'est pas parfait, évidemment, je ne peux pas tout voir, donc je fais des erreurs, mais vous m'aidez et j'analyse tout le week-end, donc à la fin, on ajuste plutôt pas mal les notes. Évidemment, les pilotes ne sont pas des robots qu'on peut noter aussi facilement. Évidemment, c'est très dur de noter une Mercedes et puis ensuite de noter une Williams, mais on fait ça pour la vision d'ensemble. Sur un Grand Prix comme ça, c'est encore plus dur de noter, mais voici mes notes et vous pouvez retrouver les moyennes générales en description. Hamilton obtient la meilleure note pour un week-end de quasi parfait et surtout pour avoir réussi à forcer la décision et à ne pas laisser le titre lui échapper, c'est un sauvetage de légende. Ocon mérite aussi une superbe note, même s'il a été aidé par le drapeau rouge, le podium a été largement mérité quand même. Leclerc lui a été malheureux, en dehors des événements où il n'a rien pu faire, il était le meilleur des autres. Verstappen est passé à deux doigts du tour du siècle, puis à deux doigts du coup du siècle, énorme, mais week-end entaché par deux erreurs. Grosse performance derrière de Pierre Gasly, rien à redire, c'était parfait. Bottas aurait sûrement eu 18 sans son freinage raté qui impacte beaucoup la course et le met encore en retrait de ses deux concurrents, mais ça reste bon. Giovinazzi signe une de ses meilleures performances en Formule 1. Ricciardo avait un temps de retard samedi et a bénéficié du drapeau rouge, mais c'était plutôt bon. Norris termine loin, mais c'est uniquement à cause d'un drapeau rouge. Sainz signe un super résultat, mais a été aidé et a pu réparer son erreur du samedi. Tsunoda ne passe vraiment pas loin, mais s'écroule un peu et fait une erreur face à Vettel. Vettel, lui, a été plutôt acceptable. Alonso a été plusieurs tours en dessous, étonnamment, ce week-end. Perez n'a pas répondu présent. Stroll a été trop loin. Kimi a été absent, Latifi a été fantomatique, Schumacher a été très bon puis très mauvais, Russell et Mazepin ont été victimes collatérales et leurs week-ends sont de toute manière assez anecdotiques dont ça part en non noté.
Au constructeur, Mercedes sort une masterclass doublée en qualif et ça allait vers un doublé en course au meilleur de moments. C'est vraiment énorme ce qu'ils arrivent à faire. Red Bull affiche un temps de retard et manque encore d'une deuxième voiture, mais était quand même pas si loin. Ferrari, elle continue d'être très propre et mal payée en plus. Alpine a fait un top week-end, McLaren était plutôt pas mal, AlphaTauri a réussi à se battre, Alfa Romeo avait de la performance en course, Williams reste beaucoup trop loin, Aston est pénalisé et Haas reste à son niveau. Voilà, c'est ainsi que va se terminer ce débrief, sûrement le plus long de la saison et c'est complètement logique. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous emparer de l'espace commentaire pour réagir sur les différents événements de ce week-end. Allons-y, débattons. Généralement, vous savez rester très propre dans les commentaires. Je compte sur vous une nouvelle fois, même si la tension et les enjeux sont très hauts. Voilà, débriefons ce Grand Prix ensemble. Et au passage, si vous pensez au like, au partage et à l'abonnement pour récompenser mon travail, je ne dis pas non. Sur ce, je vous laisse, on a une pensée pour Théo Pourchaire et pour Enzo Fittipaldi. On se quitte avec Enzo Ferrari qui s'apprête à faire de la place pour accueillir Frank Williams dans son usine tout là-haut. À bientôt.